Eh bien, salut les amis, c'est le ProManga et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va faire la review du chapitre 506 de Fairy Tail avec une très belle page cover que j'ai super bien aimée avec Erza qui était dépitée après la mort du Makarov de Fairy Tail, papy bien fort. Le chapitre commence avec Melvise qui faisait un comment on dit un comeback en arrière, un retour en arrière. On le voyait quand la mère Makarov, je me rappelle plus de son nom, avait dit au premier maître, donnez-lui un nom, vous êtes comme sa famille, quoi. Lui a donné le nom Makarov, etc., etc. Après, dès qu'elle est de retour, ton comeback, il y a Luxus qui arrive, qui lui tapote le dos en disant, malgré que ça lui a touché, à mon avis, à la mort de son grand-mère, à mon avis, à son grand-père, il l'avait au cœur. Il lui a dit, au premier maître, on a encore beaucoup d'ennemis à battre, quoi, donc on a encore besoin de vous. Et bougez-vous, quoi. Après, c'est là où on arrête de voir ces personnages. Après, on change à Natsu et Gray, qui sont en train de se foutre de bonnes grosses patates, là. C'est pas les petites patates de copains de guilde. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand Gray congèle le feu. Et congèle le feu, c'est pas n'importe quoi, d'habitude, le feu. Ça brûle la glace, et là c'est le froid qui refroidit le feu. Et voilà. Du coup, après, je vous passe tout le combat où ça sautait les grosses patates, où il n'y avait pas de parole, où il n'y avait vraiment rien qui s'était passé. Et après, vraiment, à la fin, il y a quand Natsu et Gray se foutent une grosse patate. Il y a Raza qui arrive en plein milieu, mais franchement, je sais pas comment elle a fait. Elle s'est téléportée, là. Fait, je me téléporte. Téléportée. Et elle se retrouve entre Gray et Natsu. Elle bloque les attaques en prenant les points de chacun, comme ça. Et du côté où il y avait Gray, sa main est fissurée. Et du côté où il y avait Natsu, elle est totalement brûlée. Je vois Natsu avant, il était vraiment très en colère. Il avait plus la même tronche. Et là, tu vois la tronche. Et maintenant, quand tu vois la tronche qu'avait Natsu, tu te dis, waouh! C'était vraiment haine, quoi. Il n'était pas encore totalement en haine. Mais il commence vraiment à se transformer. Et là, quand tu vois Erza, quand ils ont vu Erza, il y avait Natsu qui avait retrouvé son visage d'avant. Là, j'étais waouh, what, c'est déjà fini, quoi. Et tu voyais Gray qui disait, oh, pourquoi tu pleures? En même temps, c'est un peu normal, ils doivent pas savoir que Makarov est mort. Natsu prenait très à cœur Makarov, c'était quand même comme son père, quoi. Donc voilà comment on suit ce chapitre. Lien brisé. Et malheureusement, je me rappelle plus du titre du prochain chapitre. D'ailleurs, il faut que j'aille voir parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et du coup, pendant du 1er au 10 décembre. Je vais partir en Allemagne, je vais vous faire des vlogs. Et avec moi, il y aura Pika Boys 42. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà. Ciao! Et mettez un petit like ou un petit commentaire pour me dire ce que je pourrais faire pour me perfectionner. Ouais, perfectionner. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like. Etc. etc. Un pouce bleu ou un pouce vert, comme vous voulez. Ou un pouce rouge, je m'en fous. Haters ou pas. Allez, ciao!